À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Le monde de la vérité et celui de la tentation. À partir de, les disciples lui demandent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? C'est que, répond Jésus, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à eux, cela n'est pas donné. À celui qui a, l'on donnera, et il aura même du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pour cela, je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir et entendent sans entendre ni comprendre. Ainsi s'accomplit la parole d'Isaïe, « L'esprit de ce peuple s'est épaissi, ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient. » Première réflexion. Le verset 12 viendrait bien en conclusion de la parabole des talents. Deuxième réflexion. De peur ne veut pas dire afin qu'ils aient peur, comme on le comprend de nos jours, mais parce qu'ils ont peur. Peur de devoir changer de vie si jamais ils acceptent de voir ce qui se passe autour d'eux. Peur d'entendre l'appel insoutenable, ce cri qu'élèvent ceux qui ont soif de vérité, de paix, de liberté, de justice, de compassion, d'amour, qu'exprime le « j'ai soif » et le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» de Jésus sur la croix. Et fin de toutes les fins de ceux qui n'ont pas de pain, de vêtements, de toit, de santé, de travail, d'instruction, ainsi que je l'explique dans l'un des Notre Père dont je me sers pour prier. Car le nanti a peur, particulièrement celui qui est riche de savoir, lequel fait l'autruche, se bouche les oreilles et les yeux pour ne pas comprendre ce que veut réellement dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.